Au cours de leur voyage d'études, suite à une panne de car, les élèves de la classe 1124 se sont retrouvés dans une ville étrange et inconnue. Eh, Fadas, on se réveille! Thibaut, vous réveillez! Réveillez-vous, Fadas, allez là! On se réveille! Vai ao tudo de janeiro, já me deu um pouquinho de pé, Miquel! Miquel, réveille-toi! Tu veux pas m'aider là? Non, c'est le matin. Miquel! Je suis sûr qu'il dort. Miquel, vous se réveillez! Mais j'ai pas de semblant, comme d'hab. Mais non, mais regarde, là, il... Le deuxième jour. Allez, on se réveille! Tout de janeiro, champi! Allez! On va vous perdre le table! Allez! Chalé! Philippe, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Tu te réveilles encore pas? Non. Appelle les secours. Allô? Oui, bonjour. En fait, on a un problème. Il y a... On est en voyage d'études et il y a un élève qui se réveille pas. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Je viens de voir ici. Voici ma collègue. Alors, pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé exactement? Oui, alors en fait, justement, ces nuits-là, j'ai fait des rêves bizarres. J'ai rêvé justement la première nuit qu'on était tous ensemble et tout, et il y a Mickaël qui est mort, justement. Et l'année passée, j'ai aussi fait un autre rêve où Philippe est mort. Donc, si je comprends bien, dans l'ensemble, tu es en train de faire des rêves prémonitoires. C'est quoi ça? C'est exactement ça. C'est quand on fait des rêves qui se réalisent dans un futur proche. La troisième nuit. Non! Monsieur. Excusez-moi, mais je crois que cette année, il n'y aura pas de voyage d'études. Oh non!